J'habite en co-résidence. 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 En fait, ici, j'ai tout, cuisine, salon, bureau, il y a même un spa. J'ai tout ce dont j'ai besoin, comme dans une, depuis mon unité, comme dans une maison traditionnelle. Nous sommes une petite communauté. Évidemment, c'est beaucoup plus simple de s'organiser quand tout le monde se connaît. C'est vraiment très bien de circuler dans cette co-résidence parce que bon, on voit des gens qui font des tas de choses différentes, qui sont dans leurs activités, dans leur vie, et on a l'impression de circuler dans une rue, dans une ville animée où on est au cœur de l'activité de chacun. Ça, c'est vraiment très précieux et ça vous donne le moral. En fait, la chambre d'amis, on la loue aux touristes, normalement. Et c'est un moyen pour économiser, un moyen pour obtenir des revenus pour les frais de la communauté. Et éventuellement, aussi connaître des gens qui passent par Paris. C'est assez sympa. Mon frère va bientôt déménager dans la chambre d'à côté. Nous allons pouvoir nous servir de la petite porte secrète pour nous créer notre petit appartement double.
Parfois, j'apprécie aussi ma tranquillité. La cuisine fait séparation avec le salon partagé et nous pouvons donc nous isoler en toute intimité. Ce qu'il faut noter pour les co-résidences et qui me semble crucial, c'est que dans le cas où ça ne fonctionnerait pas, il y a tout de suite une possibilité de reconvertir ces espaces en des appartements comme on les connaît assez traditionnellement aujourd'hui. Dans l'immeuble que nous venons de transformer, nous avons fait une partie en co-résidence, l'autre partie en accession assez classique avec des plans comme on les connaît traditionnellement. J'aime bien l'idée de ces rencontres un peu aléatoires avec des gens qui ne sont pas forcément comme moi, qui sont là pour plein de raisons, qui sont seuls, pas seuls, en famille, mais qui sont, qui partagent avec moi ce lieu pour un moment donné, en espérant que ce soit long ou court pour certains. Un de mes collègues habite aussi dans la co-résidence dans le 18e, mais je pense qu'il habite dans une tour co-résidentielle. Nous habitons dans un bloc co-résidentiel.